bien entendre le son du chauffard. Ceci n'est qu'un rappel pour écouter le son du chauffard, pour être acquitté de la coutume d'écouter durant le mois d'Elul tous les jours le chauffard, et certainement pas pour Rosh Hashanah. Et à cet instant, je vous invite à vous joindre à moi, à donner un peu de tzedaka dans la boîte de tzedaka, et un peu plus. L'essentiel est de donner régulièrement, surtout dans ces jours de Elul, comme nous avons discuté hier, que c'est le moment de améliorer dans notre relation avec Dieu, avec Akadosh Baruch Hu. Et ceci nous rappelle à trois mots: Teshuva, Tefila et Tzedaka, qui se traduit généralement, Teshuva, le repentir, Tefila, prière, et Tzedaka, la charité. Eh bien, mes chers amis, ces trois traductions, c'est comme on dit en latin, traductore, traitore. Traduire, c'est être traître. C'est toujours difficile de traduire d'une langue à l'autre et de ne pas perdre des nuances. Mais dans ce cas, non seulement ce n'est pas exact, mais en réalité, la traduction est complètement l'opposé du sens réel de ces trois mots, teshuva, tefila et tzedaka, comme c'est en lashon hakodesh dans la langue hébraïque. Si chas v'shalom, on restera encore en galoute une seconde de trop, on va essayer d'analyser le mot, le sens et la traduction et voir ce que c'est le vrai sens de teshuva. Commençons par teshuva. Traduit repentir. Repentir signifie le regret et la contrition pour les péchés ou les omissions de bonnes actions, ainsi que la résolution de partir à zéro. En général, de nombreuses expressions dans la littérature française utilisent le terme « tourner une nouvelle page »,« devenir une nouvelle personne ». Eh bien, mes chers amis, c'est erroné. La teshuva ne veut pas dire devenir une nouvelle personne. La mitzvah dans la Torah pour retourner un objet perdu s'appelle Hashavat Aveda. Retourner un objet perdu. Teshuva veut dire retourner. Comme un objet perdu qu'il faut le ramener à son propriétaire, de la même manière, quand nous, on se perd, on perd notre chemin, on a perdu notre direction, on a perdu la voie de la Torah. On a perdu le sens d'où nous venons, dit Teshuva. Retournons, retournez où? Chez soi. Puisque qui est le chez soi? Qui sommes-nous? Le corps est fait, l'être humain possède corps et âme. Mais c'est à savoir qu'en réalité, c'est l'âme qui est primordiale. Ce n'est pas le corps. Alors quand l'âme est perdue due à l'influence du corps, la personne fait la teshuva, se retrouve et retourne chez soi. Le chez soi, Torah mitzvot, le chez soi, l'âme qui est une part intègre de Dieu lui-même. Donc on retourne vers Dieu. Et c'est pour ça que la teshuva s'applique à tout le monde. Même pour une personne qui est un grand tzaddik, qui n'a pas commis de péché, qui n'a pas omis des devoirs qu'il a à faire, qui n'a manqué ni dans les 248 mitzvot positives et certainement pas péché dans les 365 interdictions, nous explique l'Alter Rebbe dans le Tanya, lui aussi, elle aussi, peut et doit faire teshuva. Pourquoi? Puisque le retour est vers où? Vers Dieu. Dieu est infini. Alors, retourner vers l'infini, c'est une activité, c'est une mission, c'est un effort continuel. Et bien sûr, qu'une personne qui malheureusement s'est perdue dans le monde matériel, s'est perdue dans les influences de ce que le joie de vivre nous doit offrir, alors cette personne ne doit pas s'inquiéter, ne doit pas
créer une nouvelle personne. Tout ce qu'il a à refaire, faire un demi-tour et retourner chez soi. Eh bien, la Goula, la délivrance avec Mashiach, aussi est appelée le retour. Les enfants vont retourner dans leurs frontières. Où ? En Eretz Israël, puisque c'est là où nous sommes chez soi. Et Ribbono Shel Olam, fasse que ça soit encore aujourd'hui.